Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur votre chaîne préférée de la télévision nationale et bienvenue dans le journal de la culture que nous vous proposons tout le week-end. Au sommaire de l'édition, les feuilles de palmier utilisées comme accoutrement dans les cérémonies festives du pays Baga. Les feuilles de palmier, souvent utilisées comme accoutrement dans la culture Baga, surtout pendant les cérémonies festives. Que représentent ces feuilles pour la culture Baga? Suivons ce reportage de Faraba Magasuba pour mieux comprendre les vertus de cette feuille. Les feuilles de palme ou rameaux sont d'une importance capitale dans la vie des communautés forestières. Depuis la naissance de l'humanité, l'espèce humaine a toujours usé de son intelligence pour exploiter les ressources naturelles qui l'entourent. Et cette remarque fonde l'interaction entre la nature et la culture. C'est le cas de la communauté Baga qui associe le rameau dans leur accoutrement, surtout lors des festivités culturelles et artistiques. Sachez que d'abord, la plante, la première plante que Dieu a donnée à tous les habitants de la côte sénégalo-mauritanienne au golfe de Guinée, c'est le palmier. Ça, c'est un. Le deuxième facteur, les feuilles de palme qu'on utilise à toutes les cérémonies concernant les bagas, la feuille de palme là représente ici l'identité. C'est comme le symbole qui identifie l'ethnie Baga. Ça démontre la valeur qu'on attache à cette plante. C'est quelque chose qui est sacré. Les palmiers sauvages, classés parmi les produits forestiers non ligneux, sont en proie au même titre que les autres espèces forestières. D'ailleurs, les populations Baga utilisent quotidiennement les produits forestiers non ligneux comme des rameaux, en vue de satisfaire leurs besoins, notamment les feuilles de palme conçues comme des perles aux pieds qui ornent leur corps. Vous savez, dans la tradition Baga, le Baga est naturel, le Baga est lié à son environnement, le Baga est lié à sa géographie, donc à son terroir. Et chez nous, le palmier, ça fait partie de notre tradition. Et donc, dans le rituel, ces branches que vous voyez, ces feuilles que nous tissons autour des reins, sur la tête, et que nous portons même sur notre masque d'umba, symbolisent notre proximité avec la nature, notre proximité avec le monde de nos ancêtres, parce que nous croyons à nos valeurs, nous croyons à nos traditions. Les Bagas sont une population d'Afrique de l'Ouest, vivant sur le littoral et quelques îles, principalement en Guinée, également en Guinée-Bissau. Ils sont riziculteurs, producteurs de sel et des grands sculpteurs de masques et d'objets rituels. Ces feuilles représentent notre coutume. Le Baga est reconnu par cette feuille. Nous les utilisons dans nos différentes activités. Les Bagas, avec leur accoutrement spécial, sont des peuples anciens, depuis les grands foyers nubiens, qui connurent des mouvements migratoires jusqu'à l'éclatement de l'Empire Ghana, dont la capitale a été Kumbissal.